Hello, hello ma team chouchou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une ambiance très Noël puisque nous allons parler de cadeaux. Même si c'est une période qu'on est nombreux à aimer, il faut se le dire, c'est quand même toujours un petit peu stressant de savoir quoi offrir, que trouver, quel budget y mettre. Bref, c'est toujours une prise de tête monumentale. Moi la première, à cette période d'année, je me transforme toujours en petit lutin, autant pour vous sur mes vlogmas que pour mon entourage parce que j'adore leur faire plaisir. Donc vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous donner toutes mes idées cadeaux en termes de beauté, mais pas que, pour tous les budgets puisque ça va de 6€ à 200€ approximativement. Et n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin parce que je dis ça, je dis rien, mais vous me connaissez, je peux pas faire une vidéo comme ça et garder tous ces produits pour moi. Donc vous allez avoir un très gros giveaway à la fin. Ce sera tout par ordre de prix croissant, on va aller crescendo petit à petit. On commence avec une première petite idée pour les férus de skincare ou de masques plus précisément. Sephora propose ce mini set puisqu'il y a 3 masques seulement, mais pour découvrir ça peut être sympa en complément, etc. Vous avez un masque lèvres, yeux et nez, vous savez, pour le strip en charbon. Comme je vous dis, en complément ou dans les petites chaussettes, si vous voulez rajouter plein de petits produits, c'est pas mal du tout. Vous savez que les masques Sephora sont géniaux. Ils ont d'autres coffrets plus complets, tout dépend du budget que vous voulez y mettre, bien entendu. À matrice de vernis, regardez ce petit coffret Essie, il coûte 11€ seulement chez Sephora et vous avez deux vernis qui sont super beaux, dont le très célèbre Fiji qui est un rose pâle presque blanc qui est magnifique et une couleur bordeaux, donc vraiment les deux couleurs sont très belles. C'est le genre de truc qui fait toujours plaisir si vous aimez vous faire les ongles. Moi je n'en ai pas actuellement parce que j'ai pas eu le temps, c'est très rare comme vous voyez sans vernis, je sais, pour dire à quel point ces derniers temps c'était compliqué. Toujours petit cadeau qui fait plaisir et qui sent bon cette fois-ci, nous avons plusieurs coffrets chez Sephora. Encore une fois, vous avez plusieurs parfums. Mon préféré c'est Bataille d'oreiller parce que ça sent le propre, c'est une odeur très douce. Honnêtement, il y a très peu de personnes je pense qui vont pas aimer. Donc pareil, vous avez plusieurs coffrets, mais là par exemple dans celui-ci vous avez une fleur de douche, le gel douche ainsi que la lotion corps qui va avec. Toujours dans le rayon mini prix et pour tester, découvrir une marque, un produit, vous avez cette année chez Sephora les petits ornements qui sont présents dans un petit packaging trop mignon avec un petit ruban. Donc, par exemple moi j'ai celui de la neige avec un masque et le baume pour les lèvres. Il y a Mario Badescu qui a la brume et le baume à lèvres avec des contenants super corrects. Vous avez ceux que vous voyez à l'écran également qui sont des petits mascaras, il y a des produits bénéfiques, toujours rayon pour le corps mais chez The Body Shop cette fois-ci puisque vous connaissez l'enseigne. Chaque année à cette période de l'année ils ont plein de coffrets avec des parfums super différents et pour tous les budgets. Moi je voulais vous parler notamment de celui-ci parce qu'il est hyper original, c'est en forme de petite fusée et on retrouve l'illustration Miss Santa. Est-ce qu'elle a pris la relève sur le Père Noël et que force aux femmes, hein, girl power, on adore. Et à l'intérieur pareil, vous avez plusieurs parfums corps, il y a parfum de noix de coco et fraise, vous pouvez pas venir, ça sent la barbe à papa. Il y a deux boules pour le bain effervescente, donc coco et fraise, deux crèmes pour les mains, toujours même parfum, les gels douches qui vont avec en format voyage, donc pareil pour découvrir, pour partir ou juste pour faire plaisir, franchement on peut pas se tromper, c'est des parfums qui sont hyper classiques chez eux, qui plaisent à tout le monde en général. Et si je vous parle aussi de l'illustration Miss Santa, c'est pas pour rien, parce qu'en fait ils l'ont choisi comme illustration officielle pour la campagne des produits de Noël pour inspirer et encourager toutes les filles et femmes partout dans le monde à réaliser leurs rêves, donc je trouve ça assez génial. De plus, chaque année entre novembre et décembre, tous les achats réalisés permettent à l'association Plein International de financer un projet sur lequel ils travaillent qui s'élève à 250 000 livres. Ils seront au bénéfice de 1500 jeunes filles en Indonésie et au Brésil pour les aider à trouver l'emploi de leurs rêves ou ouvrir leur propre entreprise. Chaque année, ils choisissent une association différente, donc pour chaque achat, les bénéfices sont reversés à l'asso. Donc c'est une belle action. On approche de la barre des 20€, cette fois-ci avec ces deux coffrets que vous voyez à l'écran que j'ai pas dans les mains, mais je les ai vus en vrai. Et je les trouve vraiment sympa pour toutes les beauty addicts. Vous avez le coffret Fenty et le coffret VK avec un highlighter et un gloss pour Fenty et l'illuminateur chez VK. Avec leur teinte phare, alors c'est certainement pas des full size, en doute à ce prix là, c'est relativement petit mais pas non plus minuscule. Pour découvrir c'est juste ce qu'il faut. Et en même temps, creuser un highlighter c'est quand même pas donné à tout le monde. Ça peut arriver mais c'est rare, donc honnêtement c'est franchement correct. Autre assortiment pour le corps qui est 20€ tout pile, à nouveau chez The Body Shop. Alors ils en ont plusieurs comme je l'ai dit, mais celui-ci ça sent super bon. Si vous aimez la vanille, vous allez voir. Donc c'est dans un petit pochon que vous pouvez réutiliser. Il y a le beurre corporel, l'exfoliant corps, la crème pour les mains et évidemment le gel douche en full size cette fois-ci. Et oh my god, c'est le parfum Warm Vanilla et je ne le connaissais pas, mais apparemment il était sorti l'année dernière, si j'ai pas de bêtises. Franchement, si vous aimez la vanille, vous allez adorer. C'est un parfum très gourmand, un petit peu sucré, assez chaud, mais ça sent trop bon. Et avant de repasser au coffret, je voulais vous montrer un vernis de la collection Dior de Noël que je trouve super beau. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est fan de vernis, clairement c'est un petit bijou. Il est plein de petites paillettes. Il y a des tonnes de reflets, le flacon est magnifique et c'est une édition limitée, donc vous pouvez pas le retrouver toute l'année. Ça reste, je pense, un très joli cadeau. De plus, vous savez, je vous l'ai dit 1000 fois, les vernis Dior, ce sont les meilleurs sur Terre. Ils ont d'autres coloris, bien entendu, mais celui-ci, je trouve assez beau pour un cadeau. Et c'est la teinte numéro 1.
Happy 2020. Maintenant, pour 30€, vous pouvez retrouver ce coffret chez Sephora encore une fois, que je trouve vraiment trop cool. C'est dommage qu'ils aient pas fait d'autres couleurs, parce que là c'est basé sur le rouge, mais c'est un peu la couleur de Noël, on est d'accord. Vous avez 5 produits pour les lèvres, donc 4 full size, et pour 30€, faites vite le calcul, vous allez voir, c'est genre une super offre. En plus, le coffret est super mignon, donc à l'intérieur, vous avez un Huda Beauty, un rouge velouté brillant de Sephora, Make Up Forever, un Kat Von D, donc c'est le seul qui n'est pas en full size parce qu'ils sont vraiment très grands, largement assez honnêtement, et le crayon Huda Beauty qui va avec. Parler des cocottes de Sephora tout à l'heure, mais justement, je trouve que le plus avantageux, c'est celui-ci de La Neige, qui est une marque que j'aime beaucoup, vous le savez, les best-sellers de la marque. Donc il y a le Water Sleeping Mask, qui est un masque de nuit qui, à lui seul, donc qui est en full size, coûte 29€, et là vous avez le set pour 30€, donc franchement, en plus, vous avez le même masque mais pour les yeux, qui est génialissime. Et un petit baume à lèvres qui est encore une fois un best-seller de la marque, je n'utilise que lui perso. Toujours pour les lèvres, nous allons chez Charlotte Tilbury, qui a fait plein de coffrets pour Noël. Vous allez voir, ils sont canons, je vous en montrerai plusieurs dans la vidéo. Celui-ci il coûte 30€ il me semble, et en fait c'est le coffret Pillow Talk qui est la teinte phare de la marque. Donc à l'intérieur vous avez un rouge à lèvres en full size, ainsi que le crayon à lèvres qui est pas en full size mais qui est loin d'être mini. Honnêtement c'est super correct. En plus c'est une teinte que je trouve super universelle, qui va à un grand nombre de carnations. Évidemment je peux pas parler de ma petite bougie Infinity, mon plus beau projet de l'année, donc c'est normal que je vous en parle à Noël. Mais aussi et surtout parce qu'on approche des dernières quantités, donc c'est un peu le moment ou jamais si vous voulez la choper. C'est une édition limitée, donc quand il y en a plus, il y en a plus. Il n'y aura pas du tout de réassort. Je sais que vous êtes nombreuses à l'avoir beaucoup aimé, à l'avoir même racheté, donc je vous le redis. Donc pour rappel, ok, vous serez passé à côté, ça m'étonnerait, je suis vraiment désolée de me répéter. Une bougie qu'on a créée, Mounette et moi, et Jewel Candle. Donc elle fait 400 grammes, elle s'appelle Infinity. Elle est au parfum de vanille et fruits exotiques, et à l'intérieur se cache une paire de boucles d'oreilles en plaqué en rose. Notre petite bougie bijou. Maintenant pour 39€, on va au Brésil, puisque Sol de Janeiro a fait plusieurs coffrets encore une fois. Le Carnaval Dazzle. Donc à l'intérieur, 4 produits, dont la brume de Mounette. Voilà, les vrais savent, elles ne jurent que par cette brume. Elle sent l'eau de coco, elle est vraiment vraiment géniale. Vous avez la crème pour le corps qui va avec. Vous avez le gel douche ainsi que la crème corps à nouveau, le parfum phare de la marque. Honnêtement, j'ai jamais croisé une seule personne qui n'aimait pas et qui n'était pas folle de cette odeur. Et à quoi ça ressemble à l'intérieur? Donc la brume est en full size, les autres sont des formats voyage, et encore, j'aime pas ce mot parce que clairement c'est pas des petits contenants du tout. Ils ont aussi un autre coffret, mon dieu, si vous aimez le parfum best-seller de Sol de Janeiro que je vous montrais là, la couleur jaune. Dans ce coffret, ils ont fait la bougie et oh mon dieu, elle est divine. Ça retranscrit exactement le même parfum. Je regrette juste qu'il n'ait pas à l'année en permanent et en grand, parce qu'elle est assez divine. On commence à rentrer dans les cadeaux un petit peu plus luxueux. Vous allez me dire, c'est super cher pour ce que c'est. Oui. Si vous voulez faire un beau cadeau et que la personne est assez réceptive à ce genre de truc, c'est pas du tout une erreur parce qu'ils sont fantastiques. C'est la marque Sleep, que vous trouvez chez Sephora encore une fois, et ils font essentiellement des masques pour les yeux, des thés d'oreiller en satin. Dans les hôtels, j'en ai tout le temps dans mon vanity. J'ai tendance à privilégier ceux qui sont en satin parce que c'est beaucoup plus doux. Ça n'abîme pas les cils, ça n'abîme pas la peau. En même temps, c'est pas trop chaud non plus. C'est hyper important de trouver le bon masque pour les yeux. Donc là, par exemple, il y a l'argenté, mais vous avez d'autres coloris. Là, pour Noël, il y a une édition limitée qui est super beau, qui est bordeaux, mais qui est plus cher. Celui-ci ira dans le giveaway. Mais je vous montre le mien, qui est donc le rose, qui est exactement le même, mais en rose. Et pour le suivant, on reste dans la beauté, mais pas make-up, c'est plutôt un appareil. J'en ai parlé dans des vidéos récentes, à savoir les favoris et ma routine du soir. Je vous invite à voir si c'est pas encore fait. Dans lequel j'utilise un sauna visage. Alors celui que j'utilise dans la vidéo, j'avais commandé sur Amazon, 20 euros, quelque chose comme ça. Bon, il fait le job, mais très honnêtement, c'est pas une qualité de malade. Si vous voulez pas y mettre très cher, franchement, c'est largement suffisant. Mais si vous voulez quelque chose d'un peu plus quali, il y a ce modèle que vous voyez sur la photo, qui vient de chez Nature et Découverte, qui est exactement le même principe. Déjà, esthétiquement parlant, je dois avouer qu'il est quand même très beau avec cette touche de rose gold. On aime beaucoup. Vous avez exactement la même utilité, c'est-à-dire que ça vous envoie de la vapeur donc sur le visage pour permettre de bien ouvrir les pores pour tout soin que vous allez appliquer par la suite, que ce soit masque, exfoliant, crème. Ça va permettre de bien désincruster et surtout bien pénétrer, afin de maximiser les effets des soins que vous utilisez. Franchement, c'est un produit qui est génial, hyper cocooning. Vous avez une personne dans votre entourage qui est assez réceptive à ce genre d'appareil. Franchement, c'est un petit bonheur. Pour le suivant, j'ai fouillé un petit peu dans ce que j'avais. Je serais susceptible de faire plaisir. Je vous parle d'un appareil pour les cheveux, donc ça c'est le mien. Je vous en ai jamais parlé, je vous l'ai jamais montré en vidéo, ni même comment l'utiliser, mais je trouve ça génial. J'ai utilisé à plusieurs reprises, à chaque fois on me dit mais comment tu fais ces boucles, c'est trop bien. Je confirme, c'est pas avec un fer à boucler, c'est pas avec un fer à lisser, c'est avec ce fer là qui est de chez Babyliss, qui coûte 59€ je crois. Le seul truc c'est que c'est un petit peu lourd, donc il faut vraiment s'y habituer, mais en fait ça fait un effet, ça fait des ondulations un petit peu de sirène. Hyper original, et je vous montre de toute façon sur les photos que vous voyez, le type de boucle que ça fait, c'est super joli. Vous pincez,
et vous faites la même chose en bas comme ça, et ça va faire des petites vagues. Et franchement, c'est hyper facile à faire. Si je peux le faire, tout le monde peut le faire. On n'oublie pas By Terry pour les produits haut de gamme. Pareil, cette année, vous retrouvez plusieurs coffrets à tous les prix. Moi, je trouve que celui-ci est hyper intéressant. Il est super beau. Bon, on retrouve la touche By Terry. C'est toujours très joli. C'est dans cette pochette avec trois produits phares de la marque, encore une fois, parce qu'on retrouve le baume de rose, qui est le baume à lèvres à la rose. Il y a la crème pour les mains et il y a également l'exfoliant pour les lèvres. Vous allez voir la trousse. De ce côté, vous avez les strass. De l'autre, elle est rose pâle. Et ça, c'est le truc hyper satisfaisant, vous voyez. Oh, j'adore. Quand on commence à faire ça, en fait, on ne peut plus s'arrêter. Vous avez le baume de rose en full size, la crème pour les mains et le lip scrub. Vous voyez, c'est pas du tout des petits contenants, au contraire. Autre idée cadeau qui fait toujours plaisir, c'est bien sûr de trouver un cadeau que l'on peut personnaliser à 100%. C'est le genre de truc qui plaît à tout le monde. Moi, je vais vous montrer ce que j'ai fait à Hugo. C'est le site cadeau.com qui m'a proposé de choisir n'importe quel produit sur le site et vous donner un code promo si par cas ça vous intéresse. Et je me suis dit c'est parfait parce que clairement c'est pour moi dans le top 3 du meilleur cadeau que de le personnaliser. J'ai eu beaucoup fait les années passées, un truc qui marche toujours vraiment très très bien, c'est les albums photos. J'ai fait à tout le monde, j'ai fait à Mounette, j'ai fait à mon père, j'ai fait à ma grand-mère parce qu'elle adore les photos. On avait fait un calendrier aussi, enfin vraiment chaque année en général j'essaie de faire un truc comme ça. Pour le coup c'est plus personnel et enfin je sais pas, je trouve ça assez génial. Donc là cette fois-ci à Hugo je lui ai pas fait d'album photo, je lui ai fait personnaliser un peignoir. Vous allez me dire mais il aime les peignoirs, mais attendez. J'ai acheté en début d'année un jacuzzi d'extérieur, vous savez, c'est son meilleur investissement, il en est fou. Du coup, à chaque fois qu'il y va, il se met son peignoir pour y rentrer et en sortir. Et j'ai vu qu'il y en avait sur les sites, on me dit mais c'est parfait. Bon, je laisse emballer parce que je vais jamais réussir à le plier comme ça. Mais en gros, je l'ai personnalisé avec son prénom au niveau du devant. Et bien au moins, on saura que c'est son peignoir. Et croyez-moi, on va pas lui voler, parce que je sais qu'il va l'adorer de qualité. Il est génial, il est hyper moelleux, super épais. Ils m'ont passé un code promo de 15% à valeur sur tout le site jusqu'au 25 décembre. Là-dessus, vous allez voir, il y a des milliers d'idées cadeaux pour tous les budgets, tous les âges, toutes les occasions. En rayon skincare, je pouvais pas ne pas inclure une de mes marques préférées, à savoir Fresh. Alors eux, ils ont fait des tonnes de coffrets pour tous les budgets. Il y en a pour tous les goûts, très honnêtement. Là, je vais vous parler d'un des plus complet mais aussi cher parce qu'il coûte 70 €. Et vous avez les produits phares de Fresh, donc à savoir la lotion à la rose qui est divine, la crème hydratante à la rose, le masque à la rose, donc qui est en format voyage mais il en faut assez peu, c'est un des meilleurs masques sur le marché. Pour l'hydratation il est top et pour tous les types de peau, c'est ça qui est chouette. Et vous avez évidemment le très célèbre nettoyant visage au soja qui est génial, c'est une texture gel et rien que le coffret il est vraiment trop mignon. Franchement vous avez même le petit nœud. Et encore une fois, si vous voulez offrir une routine soin ou des produits soins de qualité, Fresh fait partie des marques sur lesquelles vous ne pouvez pas vous tromper. Celui-ci, si vous voulez faire absolument plaisir et vous voulez y mettre le budget, alors je ne pourrais que vous conseiller cette édition limitée du film Star Bronze Anglo de Charlotte Tilbury. À l'intérieur vous avez la palette et vous avez également un pinceau. C'est pas n'importe quelle palette, elle a été repackagée avec des cristaux Swarovski. Regardez-moi la beauté de la palette. À la base elle est toute rose gold, elle est très très belle sans. Mais je dois avouer que les cristaux Swarovski, ça ajoute ce petit truc carrément luxueux. Le packaging est magnifique, c'est un bijou. Et voilà, à l'intérieur vous avez le bronzer ainsi que l'highlight qui sont divins. Je vous en ai parlé plein de fois. C'est un produit dont je me lasserai jamais, que j'ai creusé et que j'ai même bientôt terminé sur le bronzer. Donc franchement, ça en dit long. Et je vous ai dit, il y a également un petit pinceau. Autre coffret super luxueux, Charlotte Tilbury encore une fois. Je voulais vous montrer celui-là parce qu'encore une fois, si vous voulez y mettre le prix, vous voulez mettre des bons produits skincare, franchement celui-là il est magnifique. Dans celui-ci vous avez que des crèmes. Donc il y a tout d'abord la très célèbre Magic Cream, donc en full size, elle est géniale. C'est la crème de jour, je regarde que ce soit pas la nuit, pas du tout. Et à côté, en format voyage, vous avez la crème de nuit. Et par contre celle-ci elle est super riche, donc il en faut vraiment vraiment très très peu. Du coup la quantité est plus que correcte, donc ça choque pas du tout. Et vous avez également masque pour les yeux en satin, évidemment, parce que Charlotte elle fait ça bien. Autre cadeau un petit peu plus high-tech, on va dire, que je trouve très sympa, je possède pas mais j'ai une amie qui l'a et du coup j'ai pu le voir et je trouve ça vraiment cool, c'est HP qui fait ça. Et en fait c'est une imprimante portable que vous pouvez relier, enfin mettre en Bluetooth avec votre téléphone et imprimer vos photos directement. Enfin un petit peu penser au Polaroid, d'ailleurs je vais vous en parler juste après. On perd carrément l'habitude d'imprimer ses photos, on les a tous sur les téléphones ou les appareils photos mais en version numérique et on pense plus à les développer et je trouve ça tellement dommage parce que moi j'aime trop avoir les photos genre en physique, les tenir, les regarder, j'aime trop les photos. Donc c'est le type d'appareil que je trouve vraiment sympa. Bon, le seul truc c'est qu'évidemment il faut racheter des pellicules et c'est pas toujours très donné, mais sur le principe j'aime bien, donc je vous en parle. Justement je vous disais, Polaroid le plus classique c'est l'Instax de Fujifilm. Or il existe en une multitude de coloris beaucoup trop jolis, donc moi j'ai celui-ci qui est donc le rose un petit peu pêche. Vous prenez directement la photo, donc vous n'avez pas d'écran LCD, il n'y a rien du tout, hein. Vous avez juste
juste le viseur comme à l'ancienne et vous avez la photo qui sort. Vous avez juste à mettre la pellicule à l'arrière, juste là. Vous la rechargez, ça se rachète, pareil, c'est pas donné les pellicules franchement. Mais il n'y a pas le choix et après donc ça sort, vous les essayez et vous n'avez plus qu'à profiter de votre photo et ça fait penser trop pareil à l'ancienne, genre les Kodak et tout, mais en version plus moderne, on est d'accord. Donc je sais que je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans ma vidéo Black Friday, mais bon c'est terminé, donc il n'y a plus les prix. J'espère qu'il y en a qu'un, donc profitez parce que ça valait trop le coup. Néanmoins ça reste pour moi une des meilleures idées cadeaux parce que j'y suis complètement scotchée et non je n'ai pas d'action chez Kindle, pas du tout. C'est juste mon frère qui me l'avait offert et je ne jure que par ça. Moi c'est le modèle Kindle Paperwhite qu'on trouve sur Amazon. Vous avez l'éclairage que vous pouvez diminuer, augmenter, enfin vraiment il y a un grand nombre de fonctions. Vous pouvez mettre un nombre incalculable de livres à l'intérieur, vous n'avez plus à les ranger. Vous avez des prix hyper attractifs aussi en termes de tarifs de livres. Vous pouvez en emprunter gratuitement pour certains. Enfin franchement c'est un des meilleurs cadeaux que j'ai reçus de toute ma vie. Le dernier coffret maquillage évidemment qui se doit d'être luxueux parce que là on atteint le max du max en termes de fourchette de prix pour les cadeaux d'aujourd'hui. Mais bon on parle de Dior donc forcément je ne vais pas le garder pour moi, il sera aussi à remporter durant les vlogmas. Mais pour savoir quand le gagner il faudra les regarder. Donc en gros à l'intérieur c'est une trousse dans laquelle vous avez un rouge à lèvres ainsi que les 5 recharges. Rien que la pochette, tenez-vous bien. Elle est pas un peu magnifique, elle est en cuir. Vous pouvez même évidemment vous en resservir en tant que pochette de soirée une fois que vous enlevez tout à l'intérieur. Moi c'est ce que j'avais fait, c'est ce que j'avais fait pour les années passées. Elle est super belle. Vraiment là c'est un objet qui est incroyable. Vous avez le rouge à lèvres donc qui est en full size et vous avez les 4 recharges que vous pouvez intégrer directement dans le rouge à lèvres pour le glisser dans votre sac à main ou juste le garder chez vous comme vous le souhaitez. Très original, on voit très peu dans les autres marques je trouve. C'est un cadeau super super luxueux. Je le conçois, mais je pouvais pas ne pas vous le montrer. C'est un bijou et qu'il a sa place dans les cadeaux. On arrive enfin au dernier produit dont je voulais vous parler, qui est le plus cher de la vidéo. Mais encore une fois, je me dis, si ça a à offrir, autant le faire à Noël. C'est un miroir de la marque Glamcore, c'est le Riki. C'est un miroir lumineux qui a plein de fonctions. D'une part, vous pouvez le connecter en Bluetooth à votre téléphone, à la fois prendre des photos, des vidéos, parce que vous avez plein d'accessoires avec, dont un qui vous permet de coller votre téléphone au miroir. Bien souvent dans les hôtels, l'éclairage est horrible, catastrophe, c'est jaune, c'est sombre, enfin on peut pas se maquiller. Donc là, c'est clairement pour les beauty addicts, hein, ou les personnes qui aiment bien se préparer avec un minimum de qualité, vous voyez. Donc j'amène toujours en déplacement, je me mets sur le trépied, et franchement, ça me sauve la vie, parce que vous imaginez pas à quel point ça éclaire, je vais vous montrer. En gros, vous avez plusieurs intensités d'éclairage, de réagir. Si je me mets dans le noir, on ne voit que moi avec ça, parce que là c'est au maximum et au minimum c'est ça. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de niveaux. Donc il est assez grand, mais franchement il est très léger, il est hyper compact, donc à ranger c'est l'idéal. Donc ce miroir par contre, il a un coût, vous en doutez puisque c'est le dernier de la vidéo. Alors deux choses, vous avez soit la possibilité de l'acheter sur le site directement de la marque, sur lequel il vaut 176€. C'est la marque qui me l'avait envoyé directement. Donc je sais pas du tout s'il y a des frais de douane, c'est pour ça que je vous en parle. Bah, je sais pas si c'est mieux justement de passer par le site, de payer un petit peu moins cher, ou alors de passer par Cult Beauty. Là il est affiché à 205€, mais au moins c'est un site anglais sur lequel j'ai commandé des milliards de fois, toujours plus, et sur lequel il n'y a aucun frais de douane. Je me dis c'est peut-être plus safe de passer sur Cult Beauty et de savoir qu'on va pas avoir de frais de douane, alors que sur le site peut-être que si vous en avez ce sera, je pense que ça reviendra un petit peu plus cher. Et voilà ma team chouchou, j'ai enfin terminé cette vidéo que je voulais trop vous faire. C'est un petit peu la tradition et là j'ai envie de mettre un maximum de trucs, donc bien sûr je vous l'ai promis en début de vidéo, tous les produits que vous voyez là maintenant à l'écran sont à remporter, donc une chanceuse remportera tout ça. Donc pour tenter votre chance, je vous invite à lire la barre d'infos, toutes les conditions de participation y sont listées, donc n'hésitez pas à aller voir. Vous savez que Noël, c'est un peu ma fête préférée de l'année, pas juste pour recevoir, même recevoir honnêtement, j'ai un peu passé l'âge. Le plaisir d'offrir avant tout, j'adore faire plaisir aux gens. Je suis tellement reconnaissante de vous avoir dans ma vie depuis maintenant de nombreuses années, qu'à chaque occasion que je peux vous gâter, et bien écoutez, je le fais, et là c'est l'occasion ou jamais. Donc n'hésitez pas à participer. Je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de très gros bisous et à très bientôt. Bye.